c'est nos vies lointaines qui remontent avant que j'arrive à Maurice. Au moment de partir, des amis m'ont dit, bah, je devais rester qu'un an et demi, et puis finalement, ça fait 25 ans que je suis ici. Et ses amis m'avaient dit, bah, quand tu reviendras, reviens avec plein de dessins. Puis en fait, j'ai pas du tout dessiné. Je me suis baladé, j'ai profité de mon séjour, et j'ai mis 20 ans, enfin un peu moins 15 ans, pour accomplir ce vœu, et en faisant donc une série de dessins qui a donné lieu, enfin qui a abouti au premier livre qui était Regarde sur le Mauritius. Mais c'est vraiment, enfin il n'y avait pas de projet préétabli, prédéfini, c'est venu, l'appétit est venu en mangeant. Par des rencontres, en fait quand j'étais à la fin de mon service, à la fin de mon poste, je vais donc à 3 mois de rentrée, j'ai rencontré Pascal Sioux qui dirige les éditions Vis-à-Vis et qui faisait un livre et qui recherchait un graphic designer qui connaissait le livre, parce que c'est un peu spécifique le livre, et qui m'a proposé de rester 3 mois de plus pour faire ce livre avec elle, qui était le livre sur le théâtre de Port-Louis, écrit par Alain Gordon de Gentil. Et comme les choses se sont bien passées, elle m'a proposé de poursuivre l'aventure et de créer donc avec elle l'agence Atobin en parallèle des éditions Vis-à-Vis. Et voilà comment je suis resté, mais c'était encore une fois les hasards de la vie et les rencontres. Alors, c'est compliqué, c'est comme si vous demandiez à une mère de famille lequel de ses enfants elle préfère. Elle le dira jamais, celui-là. Néanmoins, ils ont une histoire quand même particulière et différente. Rodrigue est très particulier dans cette histoire parce que en fait, c'est là où j'ai recommencé à dessiner. Et donc, il y a une dizaine d'années, je suis parti quelques jours avec un carnet de dessin et là, j'ai repris le dessin. Le début est peut-être lié à Rodrigue. Donc, Rodrigue a une place très particulière. Pour Maurice, c'est le lieu où j'habite, c'est devenu mon pays, hein, parce qu'aujourd'hui, je suis devenu mauricien, donc forcément il a lui aussi une place très particulière. Après les Seychelles, c'était un lieu que je connaissais pas très bien, donc il y a eu une vraie découverte. Et enfin la Réunion, c'est une île où je vais souvent, parce que je travaille un peu là-bas, on a des contrats là-bas et qui me demandent à me rendre assez souvent. Et là, pour le coup, la Réunion, ce qui m'a amusé ou intéressé, c'est de trouver les correspondances. Puis au bout d'un moment, quand on commence à se promener dans la région, on va trouver des correspondances. Hein, les gens, la population a les mêmes origines, dans des proportions différentes et dans des cadres différents. Donc ça donne des lieux ou des environnements différents, mais avec des points communs. Oui, tout à fait. Comme à l'origine, même si je revendique une attache mauricienne très forte, je viens d'ailleurs. Et donc je voulais pas que ces livres apparaissent comme le livre d'un étranger ou du touriste. Le fait d'avoir un auteur sur chaque île permet un ancrage très très fort. Ça c'est au niveau du livre lui-même. Et aussi du contenu, ces textes rendent compte de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et vont donner cette âme. Et ce qui me plaît beaucoup aujourd'hui, c'est que ça donne 4 univers littéraires assez différents. Et les gens me le disent, hein, découvrent des choses. Moi-même, en lisant par exemple les textes de Patrick Jean-Louis sur Rodrigue, j'ai appris des choses sur Rodrigue. Et ça, je trouve ça passionnant. Il y a des projets qui se baladent, qui sont dans l'air. Il y a un projet de livre à Oman, un voyage qui est programmé en mars-avril, et qui est dans une autre série. Hein, parce que j'ai fait aussi un livre sur qui se situe en Australie et un autre à Madagascar, avec un ami qui fait des rallye raids à travers le monde en 2 chevaux, la voiture Citroën. J'aimerais aussi faire un recueil sur ma région d'origine en France, et quelque part de boucler la boucle. Mais dans la région, il y a un nom comme ça qui titille à mes oreilles, c'est Zanzibar.
pour poursuivre cette aventure dans l'océan Indien. Et pourquoi pas remonter un peu plus haut, et je pense qu'un jour j'irai en Inde. On parle. Alors, il faut que je me dépêche parce que la dodoge devient de plus en plus chère. C'est un véhicule de collection. Donc, il faudrait que je me dépêche. Maintenant, oui, c'est deux véhicules en fait, parce que je suis français et mauricien aujourd'hui. Donc, quelque part, si ce serait intéressant d'avoir dans un garage une Maurice Minor à côté d'une Chepo, ouais, ce serait sympa ça. Alors, j'ai peu de chance, je suis tombé en plein dans le mouvement des Gilets jaunes. Et symboliquement, je suis arrivé le samedi, le jour où les événements commençaient. Donc je suis resté un petit peu reclus. C'était compliqué de circuler. Néanmoins, donc j'ai pas pu faire le lancement et la promotion du livre. Mais néanmoins, donc j'ai pu rencontrer les libraires et j'ai constaté qu'il y avait un accueil très, très chaleureux, très bon. Donc ça, c'était très agréable. Et surtout, la caractéristique de ce marché réunionnais, c'est qu'ils nous ont demandé aussi des livres des autres destinations, donc Maurice, Rodrigue et les Seychelles. Alors que par exemple, les Seychelles, ils prennent que des livres sur les Seychelles. Bah, une anecdote, j'ai vu un magasin artisanal, et qui est donc tenu par une Réunionnaise, et qui m'a tenu les propos suivants. Votre livre va très bien se vendre en juillet et août, au moment où la diaspora réunionnaise retourne à La Réunion. Ça, c'est typiquement le livre que les Réunionnais vont vouloir ramener dans leur valise. Et ça m'a vraiment fait très plaisir, cette remarque. Il semblerait que ce livre soit beaucoup offert, là aussi, à la diaspora mauricienne. C'est-à-dire, quand on va rendre visite à un cousin en Angleterre, ou un oncle, souvent on lui amène ce livre. J'ai remarqué ça par les dédicaces qu'on m'a demandé avant de partir. Et ça, là aussi, je suis ravi.